soi qui détermine nos origines. Si l'on est fils, c'est le soi qui détermine nos origines. Si l'on est fils. Kamati fimwe, abeti banana ye nandako, kasina kati, abeti mwana mupaya wo, bango nyoso bakimye, nako lela lela ho ye. C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. C'est le soir détermine nos origines si l'on est fils. Alléluia! Kasi mwana mopaya, ako kimandako. Kasi mwana yanako, ako bana kende wabyo. Batanga na zonge, yambanga ina mambo na yo. Exode dit, je te ferai sortir du pays d'Égypte autant marqué.
Dans Lévitique, il dit je suis saint. Toi aussi, sois saint. Je te bénirai. Et dans Nombre, il dit malgré la multitude, je te connais. Et dans Deutéronome, il dit même si je suis le Dieu de la loi, je te ferai grâce. Et dans Josué, il dit je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et dans Juge, il dit même si tu m'as trahi comme Samson, ma fidélité durera toujours. Et dans Samuel, il dit remets l'arche de la parole à sa place, comme David l'avait fait, et je te bénirai. Dans Roi, il dit moi l'Éternel, je suis ton roi et l'unique. Dans Chronique, il dit comme David, moi aussi je t'appellerai mon bien-aimé. Dans Esdras, il dit je suis celui qui peut reconstruire tout en toi, comme je reconstruis le temple. Et dans Néhémie, il dit malgré l'opposition, tu seras vainqueur. Dans Esther, il dit je te choisis parmi les multitudes, je te choisis. Et dans Job, il dit je sais que mon rédempteur est vivant. Dans les psaumes, oh mon Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Et dans Proverbe, je suis ta sagesse. Dans Ecclésiaste, pour moi tu es un fils que j'aime et que je châtie, accepte. Et dans les cantiques des cantiques, il dit tu es mon épouse, ma bien-aimée. Et dans Ésaïe, il est l'admirable, le conseiller de prince de paix. Et dans Jérémie, même si tu vas en captivité, moi je te ramènerai. Et dans Ézéchiel, il dit souviens-toi des ossements qui reprirent vie. Ainsi je peux te donner la vie, même si tu en as perdu. Dans Daniel, il dit je suis la pierre qui tombe de la montagne sans le secours d'aucune main. Alléluia. Dans Osée, il dit même si je suis en colère, quand ma colère sera apaisée, je me souviendrai de toi. Dans Joël, il dit je restaurerai et je remplacerai tout ce que tu as perdu. Dans Amos, il dit arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur? Dans Abdias, il dit je ferai de ta maison un feu, une flamme dans celle de ta bien-aimée, mais celle de ton ennemi deviendra seulement de la chaume. Dans Jonas, il dit même dans le ventre du poisson, si tu pries, je t'écouterai. Dans Michée, il dit ta montagne sera au-dessus de toutes les montagnes. Dans Naoum, il dit je suis un Dieu jaloux, mais grand par ma force. Alléluia. Dans Habakkuk, il dit que le juste vivra par la foi. Dans Sophonie, il dit je suis ton Dieu, j'ai fait ma fête et j'ai chassé les nations, mais toi tu es un invité. Dans Agée, il dit ne craignez pas, mon esprit est au milieu de vous. Et dans Zacharie, il dit même vers le soir, ma lumière paraîtra. Et dans Malachie, il dit je vous enverrai Élie le prophète. Dans Matthieu, il dit je suis le lion de la tribu de Judas. Dans Marc, il dit je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans Luc, il dit je suis le fils de l'homme. Dans Jean, il dit je suis le pain de vie. Dans Actes, il dit ce ne sont pas les apôtres qui agirent, mais c'est moi qui agissais au travers d'eux. Dans Romains, il dit il n'y a point de juifs ni gentils quand tous sont en moi. Dans Corinthiens, il dit tu es mon temple, je dois habiter en toi. Dans Galates, il dit ne sois pas charnel. Dans les Éphésiens, il dit soyez humble et j'habiterai en toi. Dans Colossiens, il dit je suis la tête et toi tu es le corps. Dans Philippiens, il dit soyez humble. Dans Thessaloniciens, il dit je viens pour t'enlever et t'emmener dans la gloire. Dans Timothée, il dit et une bonne conduite devant les hommes. Dans Tite, il dit sois l'exemple de jeûne et je te bénirai. Dans Philémon, il dit sois un instrument de paix pour le cœur brisé. Dans Hébreux, il dit je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Dans Jacques, il dit même dans les épreuves, sois dans la joie et tu verras ma gloire. Dans Pierre, il dit le jugement commence toujours dans la maison de Dieu. C'est pourquoi tu me vois, je t'ai châtié. Dans Jean, il dit aimez-vous les uns les autres. Dans Jude, il dit je suis ton ange de miséricorde si tu crois en moi. Mais si tu me rejettes, je deviens ton ange de destruction. Et dans Apocalypse, il dit je suis celui qui vient. Amen. Alléluia. Alléluia. Papa, Ayoka que sengo tango yo pambola kangai papa,
la kangai ndelo tango pambo la kangai papa e papa oyonde sai tango solo la kangai papa e papa oyoko pakula matango solo la kangai papa e papa kaina yembera kaina sanjola de tout ce que j'aimais. Tu m'as promis les bénédictions, mais voici à tes pieds, à tes pieds. Séparé de mon neveu Lot, j'attends le fils comme promis. Seigneur, écoute-moi. Mais un jour je te rencontrai. Tu m'as dit que fils désormais tu seras pêcheur d'homme. Mais il fallait que tu changes, mon nom Simon, que je devienne se fasse pour que je voie ta croix. Avec mon frère Esaou, je cherche la bénédiction. Je voulais prendre le droit d'aînesse, mais j'étais un menteur.
mais toute la nuit j'ai à combattre. Tu as changé ma façon de voir et tu as changé mon nom. Avant de voir, j'étais sur mon chemin vers Damas, quand tout à coup moi j'ai croisé la lumière des dieux Jésus-Christ. Alors je fus troublé, mais avant que je prêche la parole, les dieux de mes pères Jéhovah, il a changé mon nom. Toi qui veux que Dieu te bénisse, as-tu déjà ton nom changé? Car les noms c'est aussi la nature, cherche le royaume des cieux. Et toutes tes choses te seront données, par le nom de Jésus-Christ, change ton nom. Ma gloire. Si maintenant, oh mon Seigneur, ton main de pierre dans la pyramide, qu'aucun rasoir ne puisse nous séparer. Seigneur, cimente-nous, soulève-nous pour Jésus. J'ai vu un homme qui est blessé au. Peut-être la blessure n'a pas pu peut-être toucher la tête, mais la tête souffre, le cœur et les pieds. Les pieds amènent le doigt à l'hôpital, les yeux voient pour que le doigt ne trébuche point, la bouche explique le doigt qui est malade. C'est oh mon Jésus. Alors que aujourd'hui un frère qui est tombé haut, tes pieds sont contents, ça moi je n'ai jamais vu. La bouche critique, ça moi je n'ai jamais vu. Seigneur, cimente-moi, oh mon Jésus. Et apprends-moi à m'humilier, oh, yeah, yeah, yeah. J'ai vu dans la basse-cour
environnés de leurs barrières. Mais ils priaient pour que la pluie puisse tomber haut, inonder les barrières pour qu'ils puissent s'embrasser haut. Alors que aujourd'hui la pluie de l'arrière-saison est tombée haut, pourquoi nos barrières existent-elles encore? Oh, yeah, yeah. Cimentez-moi, oh mon Jésus, et apprends-moi à m'humilier, oh yeah, yeah, yeah. J'ai vu dans l'arche de Noé, oh, les lions n'avaient pas dit, vous savez quand moi j'étais sur la terre. L'harmonie existait dans l'arche de Noé, oh. Et l'arche de Noé, aujourd'hui c'est le message, oh. Seigneur, cimentez-nous, oh mon Jésus. Et apprends-moi à m'humilier, oh. Si je n'arrive pas à parler du bien de mes frères, que j'essaie quand même de parler en bien, oh, yeah, yeah. Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, 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 il arrive de fois que les soucis inondent mon cœur. Il arrive de fois que les soucis inondent mon âme. Il arrive de fois que j'ai prié, il n'y a pas de réponse. Il arrive de fois que mon ciel devient nuageux. Cela ne veut pas dire il n'y a pas un soleil quelque part. Et je te donne l'alphabet, oh mon Dieu, oh. Faisons tous les mots que tu veux, Seigneur. N'oublie pas de signer ma prière au nom de Jésus, le nom infaillible. Seigneur, faisons tous les mots que tu veux, mon Dieu. Mettez-y tous les soupirs inexprimables. N'oublie pas de signer ma prière au nom de Jésus, le nom infaillible, le nom du puissant vainqueur, oh. Le nom de mon époux. Que le célibat dérange ma foi. Il arrive de fois que la famille dérange mon cœur. Il arrive de fois que je me sens comme un Jonas. Cela ne veut pas dire que tu m'as abandonné, Seigneur. Oh Seigneur.
Jésus. Alors un homme engagea une sentinelle et lui dit que tu dois prier. Seulement dans ma cour et pas dans ma maison. Je ne veux pas te voir dans ma maison. J'essaierai toi de ton cœur. Sentinelle, tout ce que tu as. Ne me cache rien, alors rien. Je te conduirai jusqu'à la fin. La nuit vint et le voleur pénétra et prit tout ce qui était bien dans la maison. Alors l'homme vint et gronda la sentinelle. La sentinelle dit, tu m'as dit de garder rien que la cour. J'essaierai toi de ton cœur. Sentinelle, tout ce que tu as. Ne me cache rien, alors rien. Je te conduirai jusqu'à la fin. Le lendemain, l'homme convoqua la sentinelle. Lui dit que tu peux garder tout dans ma maison. Mais surtout n'entre pas dans ma chambre. Mais la nuit, les voleurs pénétra dans sa chambre. Oh, je sais quoi de ton cœur. Sentinelle, tout ce que tu as. Ne me cache rien, alors rien. Je te conduirai jusqu'à la fin, jusqu'à ce que notre ami était fatigué. Et enfin il dit, tu peux tout garder. Et la sentinelle dit, alors cher ami, désormais aucun voleur ne peut voler. J'essaierai quoi de ton cœur. Et sentinelle, tout ce que tu as. Alors rien. Je te conduirai jusqu'à la fin. C'est comme cela que beaucoup disent à Jésus-Christ, tu seras sentinelle de ma chair et
et rien que ma chair. Mais parfois ils sont surpris par des sorciers. Donne-lui tout ce que tu as, il te gardera. Oh, j'essaierai quoi de ton cœur. Oh, sans tu n'aimes tout ce que tu as. Ne me cache rien, alors rien. Je te conduirai jusqu'à la fin. Centimètre par centimètre. Si seulement tu peux me donner.
ma maman, mon père, les frères, les enfants. Je serai vraiment comblé. Oh, Jésus, exauce ma prière. Si tu me donnes toute ma famille, mon Dieu, exauce ma prière. Et prêcherai avec conviction, Seigneur. Mon cœur, mon cœur, son histoire.
parole. Surtout dans ce âge de la fin, Jésus t'a donné le message. Oh, mon cœur, même son inspiration. Et un deuxième est venu, un troisième.
jusqu'à ce que ce bateau ressemblait à tout sauf à un bateau. Il n'était pas pris ce bateau, il n'avait rien. Il a recommencé le travail. Toi qui aimes toujours donner des conseils aux gens, est-ce que toi-même tu vis ces conseils? Frère, il nous faut parfois vivre selon l'inspiration que nous sentons dans nos frères. C'est pas mauvais les conseils, mais le secret aussi fait partie de notre foi. Il y avait un homme qui prit un morceau de bois. Il l'a dans son cœur pour de faire un bateau. Et il avait un modèle qui était dans sa pensée. Mais en travaillant, quand tout d'un coup vint un conseiller, je lui dis, ne fais pas comme cela, jusqu'à ce que un autre. C'est toi qui as les paroles de la vie.
a une parole de la vie. Du ciel nu, le cieux aussi ont refusé. Même le soleil s'est dit, mais je peux pas donner ma lumière pour qu'on voie le roi du ciel, les étoiles. Notre Dieu, à l'âge des 33 ans, nu, suspendu entre cieux et la terre. Le sang et l'eau se partagèrent. Il est mort de l'agonie, de la souffrance. Alors mon frère, ne compte
tu n'es pas à crucifier le Fils de Dieu par ta vie, par ta manière d'être. Il est mort de chagrin. Il est mort de chagrin. Il est temps que le propriétaire original prenne sa demeure. Depuis tout le temps, il y a un locataire qui a occupé la maison. Mais c'est le temps que le propriétaire originel. Parce qu'en aucun cas qu'un homme puisse construire une maison et qu'il ne l'habite pas. Dieu nous a construit pour sa gloire. Alléluia. Mon Dieu habite une maison à toi pièce. Habite sa maison.
est l'homme. Du corps à l'esprit, jusqu'à dans la main. Donne-lui sa demeure. Faites comme Jésus avait dit à ses disciples. Prenez-moi cette âme. Et si quelqu'un vous pose la question, vous lui dites que son maître en a besoin. Alléluia. Et toi, Satan, nous te chassons sans préavis. Quitte la demeure de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Moko, moko, yeah, wea,
bomoi alubaki ete yo kote mate akotambola kakase na mabele kasikasi yo ndeko osalami na lolenge na nzambe na bomoi na ye nde elima yakano kende n'a pas mangé, n'est-ce pas qu'il est faible, il n'est pas fort, mais toi ça fait très longtemps que tu ne vas même plus à l'église, or la parole de Dieu est une nourriture, tu ne manges pas, mais comment tu vis, vois-tu un peu ces enfants au chorcoré, et une chose frère, que je voulais que tu voyes avec moi, ils ont souvent de grosses têtes, il y a un déséquilibre. Il marche un pas de païton, trois pas quatre païtons. Toi aussi, comme tu ne manges pas spirituellement, tu as une grosse tête spirituelle. Ça te crée un déséquilibre. C'est pourquoi dès que tu fais un pas, tu retombes. Dès que tu fais deux pas, tu tombes. Élève-toi, mon frère. Viens manger. Tu auras la force du voyage. Quand tu tombes, il faut te relever. Il n'y a que les serpents et les serpents seuls. Depuis qu'il est tombé dans les jardins d'Éden, il ne se relève pas. Et chaque fils de Dieu, quand il tombe, il se relève toujours. Que Dieu te bénisse. Jésus, Jésus.
l'Éternel qui est ma justice. Manifestez des bonnes. Enfin, Jéhovah Shammah, celui qui est présent, qui marche au milieu de nous. Le mal reste le mal.